Bonjour, bonsoir tout le monde, nous sur channel All in One Informatique là pour une nouvelle vidéo. Jeudi, on va montrer nous comment nous capable faire montage photo professionnellement dans le logiciel Yorele Camtasia Studio. Merci à tout le monde qui est abonné à la chaîne déjà. Si on ne peut pas faire ça, vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton rouge qui écrit s'abonner ou bien subscribe là et puis activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne pouvez pas rater aucune vidéo mieux. C'est comme ça que vous capable encourager à porter plus de vidéos pour nous. Sous channel là, rapidement nous allons dans Camtasia Studio que m'gagne dans barre de tâches déjà qui ouvert sur computer. Moi t'ai montré dans vidéo que m'te fait avant comment on capable intégrer une image dans Camtasia Studio. Il y a deux façons capable faire ça. On capable venir là dans clip bin, OK? Ou là dans clip bin, vous faites clic droit et vous cliquez sur import media. Et puis il pourra le voyer sur computer et puis vous pourrez chercher qui côté ou gain photo vous voulez intégrer yo. Pour chercher yo et puis ou intégrer yo sans problème. L'autre façon qu'on fait ça, OK, ou capable aller chercher quoi photo sur computer, OK, ou venir par exemple là une photo ça on va intégrer yo plusieurs là d'ailleurs à me faire me sélectionner plusieurs, je vais c'est contrôle et puis m'a cliquer sur toute photo que mon besoin yo pour me sélectionner yo et puis moi cliquer clic gauche traîner souria et puis m'aller dans Camtasia Studio et puis m'venir dans clip bin et puis moi laguer photo mio. C'est comme ça, c'est la façon capable intégrer image yo dans Camtasia Studio. On va montrer comment nous faire un petit montage avec avec photo ça avec en musique en background. Ça nous va le faire encore pour nous faire ça, nous va intégrer musique que nous besoin dans clip bin. OK, ça nous fait un vini mal de musique. Hein? On vient ici par exemple, on choisit musique ça et puis on clique Kembe, clic gauche Kembe, traîner et puis venir dans clip in et puis la musique que mon besoin. Et puis on va intégrer musique ici la partie ça que le timeline. On vient, on prend musique, c'est là tout montage là pour le passer. Je viens ici, je clique gauche, je traîne et puis je la gueule. L'album petit simple là, je la gueule là et puis m'intégrer son que je vais utiliser. Si je viens ici, je suis capable d'entendre son, je vais appeler ici. Ok, vous attendez que son commence à jouer. Ok. Pour nous intégrer image que n'a fait montage, nous venons faire même bagarre là, nous cliquons qu'un B et puis nous intégrer image là, OK. Là m'a demandé nous qui dimension, OK, nous voulons vidéo aller, OK. Nous venons ici, nous choisir si c'est une vidéo, nous va laguer sur YouTube, n'a prend 1280x720 qui c'est YouTube and Screencast. OK, nous capable pour format que nous besoin selon ça n'a fait, c'est pour téléphone seulement, nous capable 810x1080. OK, par exemple moi prend 810x1080. OK, nous ca mettre un background dans photo, nous ca mettre un background. Par défaut, background a des couleurs noires. Vous pouvez choisir une autre couleur pour faire ça, vous voulez, et puis vous validez par OK. OK, et puis, voilà, on prend une première image, on va placer ici. OK, on va placer ici. On vient ici, background deal. D'accord, on va agrandir l'image là. Jean, vous voulez faire ça pour que vous faire. OK, mettez l'autre image là. Une après l'autre. Intégrer l'image là. OK, mettez l'image là. Je vais faire deux clics sur celui-là. OK, moi voilà. Je vais juste prêter pour moi agrandir. OK. Pour m'agrandir, OK, faire plein écran.
vini nan clipin, m chwazi lòt imaj mwen an, m plase yo yon a kote lòt, de klik e pi mwen vini mwen range imaj la. OK, mwen range imaj mwen jan bezwen an. M fè menm bagay la mal la clipin. M pran lòt imaj, m plase l ti. Une à côté l'autre, ouais, ici. On fait, on sélectionne, on fait deux clics, on est capable d'être là et puis on est capable d'arranger le genre moins besoin. Ok, on fait même bagarre là pour l'audio. On fait même bagarre là. Ok, deux clics. Angèle, j'en besoin. OK, j'en besoin. Clipine, on prend l'autre image là. On met elle ici. OK, pour le ici, deux clics sélectionner et puis arranger j'en moins besoin. On va monter nous on va le play musique là et puis on va voir que image à passer. OK. Mettez play. OK. Puis image à passer une après l'autre avec musique là en bas. Comment nous capables de retirer une partie de la musique là que nous n'avons pas besoin? Par exemple, la photo est finie ici. OK? Photo est finie ici. Je n'ai pas besoin de reste de musique là. OK? Si je n'ai pas besoin de reste de musique là, ça me fait faire. Je suis capable de couper la partie que je n'ai pas besoin. Vous coupez la partie que vous n'avez pas besoin. Vous sélectionnez la musique là ici. OK? Dans le timeline, vous sélectionnez elle. Et puis, vous venez. Ici, OK, un bouton split là et puis vous cliquez sur lui. Split qui signifie diviser. Alors, vous faites faire deux, vous faites musique là, faire deux. Il y a deux parties. OK, partie ça, partie à droite là, je n'ai pas besoin et puis je juste cliquer sur delete sur clavier et puis je vais gagner nous ça seulement dans la musique là, c'est comme ça on capable couper une partie dans une musique. Pour nous allons montrer comment mettre transition sous photo. Transition sur animation qui gagne entre deux photos. OK, avant l'autre photo ou avoir une animation. Et puis j'en fais ça, ou venir dans transition, vous cliquez ici et puis là on liste transition. OK, par exemple si besoin aperçu comment transition en fait, par exemple ça cube beau tête là, faites deux clics sur lui. Et puis moi mais comment transition je vais prendre un clic et un clic gauche et puis je vais venir entre deux images ça, OK, deux premières images moi la transition. OK, si ma voulez musique là on croit que les images. OK, et puis ouais mais transition donc capable choisir n'importe quelle transition mettez entre deux ça je choisis la transition mettez ici. OK, je choisis n'importe, OK, n'importe par hasard. Je choisis un autre encore, mettez ici. Et puis, automatiquement, on va voir que les ma boule est là. OK, ma transition, hein? Là. Voilà, on a l'autre transition encore, l'image ça fait passer. OK. Mais, vous remarquez que le musique là, il tape plus que moi. Parce que le musique n'a pas
fini. Ou capable de façon professionnelle dans Camtasia Studio, ou capable de faire comme si la musique là c'est fini, elle est finie. Pour nous faire ça, nous sélectionner l'audio, ok, et sur le là, nous cliquons sur lui. Nous venons dans audio, nous cliquons ici, audio. Et puis, nous venons ici, côté on écrit fade out là. Fade out là, faire musique là. La musique là a fini tout doucement, même là que la musique là pour fini, on capable faire la musique là a fini tout doucement sans problème. Voilà ça, on va cliquer sur fade out. Sur fade out. OK, on va pouvoir automatiquement vivre une bonne inclinaison ici. Là la fini qu'on y a, on va voir qu'il y a la fini. OK. OK, ma boule. Ouais. Tout doucement. Comme si c'est la fin de la musique là vraiment où t'es arrivé grâce avec option fade out. La fade in lui-même fait musique là commencer tout petit et puis la monter. Fade out là il commence, il était bien haut et puis la descendre et puis pour les finir. Nous allons rouler la musique là pour nous montage là. Comment y est, nous fait play et puis nous allons regarder petit montage moi qui faites sans problème. Regardez. Ok, maintenant c'est sur moi. Ok. C'est tout ça que je pour nous aujourd'hui. On est en informatique. J'espère que nous apprenons un pile bagage. Nous sommes capables de faire un montage vidéo de façon professionnelle. Dans Camtasia Studio. Si vous avez besoin de logiciel là, vous pouvez écrire en commentaire. Tim ça et puis vous pouvez un link pour nous sur email nous bien sûr. Page sur Messenger pour me faire nous joindre logiciel là qu'on est capable de télécharger sans problème pour nous perfectionner nous dans Camtasia Studio. C'était All in One Informatique qui était entré là. Ciao ciao, n'a pas les encore.